like the girls with their nails done. Et salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 sur Uncharted 4 ETF End. Je venais d'écouter la petite conversation avec Rafe et Nadine, c'est bien ça. Et du coup, on avait peut-être une petite énigme ici à faire. Tente le coup. Donc on va voir si c'était ça. Ou non. On va aller monter là-haut. Et on est parti. Heureusement, t'es pas plus lourd que la pièce. Voilà, hé hey Nathan. On peut faire des choses comme ça. Ok. Je suis passé. Donc on va pousser la caisse. On va accrocher nos cordes là-dessus. Ça va marcher. Voilà, la fête du deux roues. Et on est parti sur cette aventure, pour ma foi, un petit peu compliqué là. Alors j'imagine qu'on va la mettre là, on va la mettre correctement, voilà. Ah, c'est une porte secrète. Aïe, j'ai trompé de touche. Je vais faire une roulade. Ouch. Du coup, on remonte là-haut. Non, je suis pas sûr de ce que je vais faire là. Attendez. Est-ce que je peux revenir là-haut? Je suis déjà perdu, je me lance une dynamite à la gueule. Par chance. Je ne meurs pas. Ouf, ouais, ben. C'était la... Le pont est HS, faut trouver un autre moyen de traverser. C'était moins une. Allez, on va essayer de tenter ça. Nickel. Un pont, pourquoi faire? Bon bah, moi les ponts en soi, ça me dérange pas. Allez, on est parti. Pas passer par là. Et alors comment on traverse? Ah, c'était pas compliqué. On va y tourner à gauche. Regarde ça. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Nathan, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais tout s'est écroulé dans l'océan. Bon, et bah, nouveau test. Savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. Une note. C'est quoi ça? Alors, que chacun sache que moi, Thomas Howard, capitaine du Dauntless, je suis un pauvre bougre crédule. On est en avril 1701. Tout a commencé avec la croix, un message énigmatique de mon vieux compatriote parlant d'une vague promesse de paradis. J'étais sceptique. Mais l'idée de vivre le reste de mes jours à la maison, sans bien savoir de quelle maison il s'agit, était bien trop tentante. Et on n'ignore pas une lettre du roi des pirates. J'ai survécu à un naufrage au large des côtes de Madagascar, j'ai survécu à l'attaque de l'Est, Indiaman Penrock, mais je ne survivrai pas à ça. Ma jambe est cassée, mon équipage, trop lâche pour poser le pied dans cette fichue caverne. N'entends pas mes appels au secours. Qui aurait pu imaginer que mes exploits me guideraient jusqu'ici, pour mourir aussi misérablement et tellement loin de chez moi. Que Dieu lui-même te maudisse, Henri Avery, et que mon fantôme te hante jusqu'à la fin de tes jours. Alors, un cerveau, un œil et un chat. What the fuck? What the hell? Rien ici. Ok. Bon, la poutre. Une chaussure de quelle casse? Même pas. Ce truc en bois en forme de bascule qui a l'air bien costaud, ça devrait le faire. Tentons le coup. Bon, faut y aller. Faut y aller.
Bah saute, Sam. Reviens de ce côté, je vais faire contrepoids. Bah oui, c'est ce que je voulais faire. Reviens là. J'ai réussi. Super. Mais comment je fais moi maintenant? Je sais pas. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Regarde un peu toute cette machinerie. Ah, c'est de la machinerie, hein. Qu'est-ce que ça donne? Laisse-moi deux secondes. Il y a une caisse. Encore. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. Et les caisses, je sais pas trop pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Elles sont même plus lourdes que moi. J'en suis pas si sûr. Ouais, ouais. Tu vas voler ça. Et voilà. C'est bon. Tiens. Voilà. Merci. Encore un test de réussite. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive au bout de ce truc. C'est vrai. Et... que la caverne des enfers, là... Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré le trésor? Ou de créer des tests compliqués? C'est qu'il y a quelque chose d'important. Ah, faut encore mettre sa main, vraiment. Oh. Je crois que je m'y ferai jamais. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées, au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui ait de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Bien son contraire. Ok. Et donc ? Ça... ça va se jouer avec les pièces. T'es sûr de ton coup? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends, une seule d'abord. Ah ouais, j'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit? C'est Madagascar. Regarde, il y a une étoile là. C'est la paix du roi. Absolument. Quel sale enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles? Ce con d'Avry, il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein? La paix du roi, c'est bien beau. Mais après, ce sera quoi? Le pôle Nord? Une autre planète? Nathan. Alors que le paradis... se destine aux valeureux sols. Et... il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Avry, il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes? Messieurs, la discrétion, c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. Il suffit de me balancer par la fenêtre. Raif. Raif, répondez. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi? Vous êtes où? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrive tout de suite. Et les tuez pas avant que je sois arrivé. Rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais... où exactement? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis... on n'est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux?
Sinon, tu peux t'en remettre à Rafe, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi ? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est une croix qui... Ouais, bon, c'est pas grave. Ne touche pas ! C'est le bordel! Les explosions sont toujours un peu trop fortes. On est parti. Par où ensuite? Par là! Je sais pas trop comment elles tiennent les pylônes, mais ça tient. Hop, patate! T'es où, Sam ? On commence pour sortir ! Allez, pas le temps de niaiser ! Tire les mains ! Voilà. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. La vie, tu la gagnes un jour ou pas, mon pote? Ouais. Voilà. Ok, pas de trésor. On continue. On peut pas courir, hein. C'est un petit peu. Ok, j'ai une munition max. J'arrive. Y'a le temps. Attends, y'a quoi ici? Dynamite! Viens, prenez ça! Voilà! Kaboum! Non! Il m'a tué! Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il fait, Sam? Mais on est marre de mourir à chaque épisode. Je saute pas, hein. Ah non, mais... Oh, pas comme ça. Notre Laxis. Oh là, la collate. Oh la belle collate. Pff, la chance. Bonjour, au revoir. Cadeau. Oh le feu. Plus loin. Oh, on a que 47. Allez, à tout fusil, Ferrao. C'est tout. Je
À la tête du client. Enfin, bon. Celui. Longue histoire. Pour faire court, sans doute là avant qu'il soit trop tard. Ouais, je m'en doutais. Tenez bon. Je me dépêche, j'arrive. Hey. Ah, attention à la tourelle. Ouais, tourelle. Voilà, plaquage au sol. D'accord, je vais prendre une balle dans le mur. Je crois qu'il faut pas le tendiniser. Oh le shoot. Ah pas hein. Je vais pas sauter de là-bas. Plante. Elle est morte la tourelle là, ouais. Oh l'effet est pas évident, hein. Vraiment tu te prends deux balles, t'es mort. Deux balles de pompe du moins. Et il a monté la tourelle, c'est pas bon. Mais là, je sais pas, merci Sam. Ok. Oh, allez, va. Pas évident, clairement loin. Ah, j'ai de prendre des tourelles du coup. À mon tour. Pas l'angle. Ça y est, on peut avancer. La tourelle qui sert pas pour nous du coup. Un peu dommage. On recharge les armes, allez. Bon, une petite mort, c'est pas très grave. Ça, un sniper ! Vite, à couvert ! Ah, il est nul cette arme là. 47. La galère, la K47. Hop. Y'en a d'autres ! Allez, viens. Il est où ? Ils sont là. Oh, le temps qu'il met à faire le tour. Allez, ça dégage. Pardon. Moi, y'en a pas d'autre. Faut arrêter un peu les conneries, hein, parce que... Je peux pas atterrir ici. Vous pouvez aller jusqu'à l'eau. Ouais, atterris là-bas. D'une façon ou d'une autre, on te trouvera. Tintin. Je me souviens qu'il n'y ait pas de trésor.
secours! T'arrêtes surtout pas! Enfin, un peu! Ah, on peut changer d'arme en l'instant. Ouais, carrément. Il court, t'arrêtes pas. Quoi, c'est une carabine, celle-là? Continue de descendre jusqu'à ce que tu percutes l'eau. Suivant, on est où? Par où on passe? C'est la question. Par là. Voilà. Je suis Sam. Je suis stuck. Merde! Faut qu'on arrive à passer ces types. Tu peux faire tes prières. Je fais de mon mieux. J'aurais su, j'aurais regardé le snipe. Oh la tête! Jolie tête. Cette arme-là, c'est pas mon coup de cœur. C'est pas mon coup de cœur, cette arme-là. C'est la main noire. Ouais. On avance. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, Sam, je te monte dessus. Excuse-moi. Gars, 4 balles dans la tête. Où ensuite? Ah, par là. Allez. Allez, parti. Échappé belle, hein? De Dieu, ils ont canardé mon coucou, Nate! Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar? Alors, toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riche. De Dieu. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors. Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse au deuil, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité. Mais à quoi ça servait, tout ça, alors? La croix de Saint-Dismas et le écoute, reste... je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avery recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test, alors. Super, Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter des hommes? Il fallait bien qu'il se protège. Avery était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance s'ils voulaient protéger leur trésor.
Comment ça, leur trésor? Bah, écoute, réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avery? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avery n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller, à Madagascar, exactement? À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avery. Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis? Eh ben, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose qu'ils pouvaient prendre avec eux? Il y a un volcan là-dessus. Et il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Allô? Ah, salut, Knight. Salut, chérie. Ouh, bah j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien? Oui, tout va bien, pourquoi? Bah tu sais, on voit que ça à la télé, toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche, au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors, vous commencez à travailler demain? On doit décaler, pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh, 10 jours? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire... Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis, comme toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Madagascar. Elle le sait qu'elle est en train de lui mentir, donc... Quoi de neuf côté satellite, Victor? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Hé, hey, vous savez avec quoi on perd jamais le signal? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti. Et bien voilà, chapitre 10, les 12 tours, ce sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Là, rien du tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, petite, même grosse fusillade à travers les grottes. C'était très sympa. Deux petites morts, bon, voilà, je me fais tuer deux fois par les fusils à pompe. C'est vraiment... faut vraiment les tuer en premier, c'est ceux-là, parce que... ils vont trop mal, en 2 balles, t'es mort. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour la suite de ce Uncharted 4. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, encore une fois. Ciao. I think the girls with their nails done now.